J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, c'est le week-end. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto tricot et aujourd'hui, je vous partage un bonnet bébé, un bonnet aux oreilles de chat. Alors, vous pouvez le laisser tel quel, vous pouvez l'agrémenter de petits yeux et de petites moustaches ou vous pouvez tout simplement le laisser simple, sans oreilles de chat. Au niveau de tour de tête, il fait à peu près 36,5, sachant que il peut un petit peu s'étirer, donc le 36,5 peut devenir un petit 38 par exemple. Pour réaliser ce bonnet, il est très simple à faire puisque c'est que des côtes de 2 et du jersey. Petite question du jour, aujourd'hui je voudrais savoir quel est votre super-héros préféré dans les films. On parle pas de manga, d'anime ou quoi que ce soit, on va rester aujourd'hui dans les films. Pour ma part, ça restera Wolverine. Vraiment, les pouvoirs tip-top, c'est vrai. Bon, faut avoir le cœur accroché pour avoir les griffes qui sortent des mains et tout, mais c'est mon héros que je préférerais. Bon, bien sûr, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Pour réaliser ce tuto, je me suis équipée des aiguilles numéro 5 mm. Je les positionne ainsi, mais je vais tricoter en aller-retour. Et j'ai pris de la laine de chez Zeman, la gamme Julia. Alors, j'ai égaré l'étiquette, donc je me suis équipée d'une autre pelote, d'une autre couleur, mais c'est la même gamme, donc Julia. Elle est suggérée d'être tricotée en aiguille 7-8 mm. Alors moi, je l'ai tricotée en 5 mm pour que le rendu soit mieux, pour que les mailles soient un peu plus petites. Elle fait 170 mètres pour 100 grammes, et pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 14 mailles sur 20 rangs. Sa composition, 80% acrylique et 20% de laine. Allez, on y va, c'est parti. Pour commencer, on va monter 64 mailles. On va tricoter en côte de 2, c'est-à-dire qu'on va répéter tout le long du rang, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, que l'on soit sur les rangs en droit ou sur les rangs en vert. On va tricoter ainsi pendant 3 cm. Une fois que nos côtes sont terminées, on va tricoter en jersey, 7 cm en jersey et 3 cm en côte de 2. Donc sur tous les rangs en droit, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs en vert, on tricotera toutes les mailles à l'envers. À partir de là, on va commencer les diminutions. À partir de là, on va appeler ce rang le rang numéro 1. Pour ce premier rang, on va répéter 6 mailles en droit. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on va continuer tout le long de ce rang, 6 mailles en droit, 2 mailles ensemble. On aura à la fin de ce rang 56 mailles. Sur tous les rangs 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour le troisième rang, on va répéter 5 mailles en droit. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. On va répéter ceci tout le long de ce rang et on aura à la fin 48 mailles. Pour le rang numéro 5, on va répéter 4 mailles en droit et 2 mailles ensemble à l'endroit. On aura à la fin du rang 40 mailles. Au rang numéro 7, on va répéter 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble tout le long et on aura 32 mailles à la fin. Au rang numéro 9, on va répéter 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble tout le long. Il nous restera à la fin du rang 24 mailles. Pour le rang numéro 11, on va répéter une maille en droit et deux mailles ensemble à l'endroit.
Il nous restera à la fin du rang 16 mailles. Pour le rang numéro 13, on va tricoter toutes les mailles deux par deux. On aura à la fin du rang 8 mailles. À partir de maintenant, on va venir couper le fil. On récupère notre aiguille de laine, on va faire passer le fil à travers les 8 mailles. À partir de maintenant, on va tirer fort en haut et on va réaliser la couture. Si vous avez votre technique, allez-y. Pour ma part, je vais mettre l'envers sur l'envers et coudre sur l'endroit. Et je vais piquer de maille à maille, de l'intérieur vers l'extérieur, en alternant le côté gauche et le côté droit. Lorsque j'aurai terminé ma couture, je rentrerai le fil. Alors je vous montre un petit peu comment je vais procéder. Alors celui-ci, je vais remonter. Là, je me trouve sur l'envers du bonnet. Hein, et je mets des petites vagues du point mousse pour rentrer le fil. Et je ferai la même chose avec l'autre fil. Je repasse dans le même sens, dans la même maille. Je vais venir y faire un petit nœud, même si c'est pas nécessaire, mais je préfère. Et je coupe. Allez, je vais faire ma couture et on se retrouve juste après. Voilà un petit peu mon bonnet terminé, la couture finie. La couture, elle est là. Voilà un petit peu le rendu. Et à l'intérieur, on voit bien la couture. Pour réaliser les petites oreilles, on va monter 8 mailles. À partir de maintenant, on va tricoter en jersey, c'est-à-dire que sur tous les rangs en droit, on va tricoter les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs en vert, on tricotera les mailles à l'envers. On va tricoter en jersey jusqu'à obtenir un carré, soit 4 cm sur 4 cm. Après avoir obtenu les 4 cm en hauteur, on va rabattre les mailles souplement. Lorsqu'on arrive à la dernière maille, on coupe le fil et on va le passer dans la dernière maille. À partir de là, on va faire la couture. Alors, je vais faire la même couture que mon bonnet. Là, je vais plier de l'angle à l'angle pour avoir un triangle. Donc là, je vais faire ma couture ici et la couture ici. Lorsque la couture sera terminée, on va passer dans le même sens dans la dernière maille. Je vais venir y faire un nœud. Et je vais faire passer le fil à travers l'oreille jusqu'à rentrer le petit nœud. Hop, une fois que c'est fait, je tire, je coupe le fil. Il n'y a plus qu'à faire une seconde oreille. Allez, go! Alors, je vais veiller à ce que la couture soit au dos. Donc, vraiment pliée sur les côtés. Voilà. Ça, ça sera l'envers. Et ça, ça sera l'endroit du bonnet, le côté avant. Je vais venir placer mes petites oreilles à peu près par là. Alors, je vais piquer de l'intérieur du bonnet. Hop!
Quand la couture est terminée, on va repasser à l'intérieur. Et on va rentrer le fil. J'ai quand même tiré un petit peu pour que ça tienne bien. Bon ben voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si toutefois vous le réalisez, n'hésitez pas à me partager vos créations. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye !